Et y'a tout le monde, c'est TheGamer382, on se retrouve aujourd'hui pour l'actualité de la chaîne, donc on pourrait dire l'épisode 2, même si on va pas trop le faire en épisode, c'est juste tous les dimanches, donc déjà je tiens à m'excuser que le dernier soit sorti vendredi, donc celui-là sera bien sorti le dimanche, donc aujourd'hui même. Alors pourquoi il est sorti vendredi? Tout simplement parce que j'ai pas trop le temps, je me suis dit non, je vais pas sortir de vidéo par jour. Je l'ai pas sorti, j'ai pas voulu sortir le mardi. Et comme le let's play, le vendredi, je sais pas encore quoi faire. Et puis je voulais faire peut-être filmer ma Xbox, mais j'avais pas d'HDP vert. Du coup, ça sera retardé. Et du coup, je me suis dit, bon, allez, on va le mettre vendredi. Bon, c'est vrai que ça fait un peu bizarre niveau ordre chronologique, mais bon, c'est pas grave. Bon, pourquoi cette actualité? Comme vous l'avez déjà dit dans l'ancien, on va avoir le brevet. Donc, le brevet qui se passera mercredi et jeudi pour nous. Donc, nous, on travaillera du lundi jusqu'au jeudi. Donc, en gros, lundi, mardi, mercredi, jeudi, pas de vidéo. Vendredi, on reprendra. En compte, ça va être un peu bizarre, mais le vendredi, ça sera comme si c'était lundi. En gros, le vendredi, il y aura du Minecraft. Le samedi, du League of Legends. Et le dimanche, il n'y aura pas de Let's Play parce que je sais pas encore quoi faire. Mais il y aura l'actualité de la chaîne et peut-être une autre petite vidéo détente. Parce que c'est une semaine qui n'aura pas fait beaucoup de vidéos, mais bon. Je tiens à m'excuser, mais bon, c'est un peu normal, on a le brevet. Du coup, je tenais à faire cette actualité de la chaîne. Du coup, l'emploi du temps apparaît devant vos yeux. Donc. Excusez-moi, donc c'est très simple. Voilà, donc l'emploi du temps, voilà. Donc après, je tiens à vous remercier sur les 23 abonnés, donc vraiment. Je remercie vraiment les 23 abonnés, surtout celui qui s'est abonné juste à ma chaîne cette semaine. Donc c'est vraiment super gentil à lui, c'est super cool. Donc ça me donne encore plus, ça nous donne encore plus envie de tourner des vidéos. Donc après, la vidéo de Pépé sur LOL, Maître Yi, Arifi, 19 vues, c'est pas mal. Donc l'épisode 2, 30 vues sur le premier. Donc on voit que League of Legends, ça plaît bien. Donc on continue, vous inquiétez pas, on continuera. Donc vous inquiétez pas, Skyland Style va bientôt sortir, mais j'en dis pas plus. Donc le nouveau Skyblock. Donc évidemment, là, on va essayer de finir d'abord la série sur Minecraft, le guide. Et après, on attaquera du coup Skyland Style. Et on verra pour après, mais bon, je pensais faire un petit série modée, donc comme Attack of the Bee Team, on n'avait fait que 13 épisodes, mais après j'avais arrêté parce que conditions de tournage étaient un peu dégueulasses, donc voilà. Après vous demandez pourquoi, mais ça fait longtemps que t'as fait ton serveur, mais pourtant ça fait déjà 2 semaines, tu l'as toujours pas sorti, alors on s'est dit. Voilà, on s'est dit, ouais, autant le mettre sur des mods. Donc voilà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un launcher. Donc on est en train de le créer avec Charles. Donc on est en train de créer un launcher dans lequel ce sera un peu comme Scénacraft ou quoi. Vous aurez directement le serveur. Donc vous aurez juste à cliquer sur un bouton, ça vous ouvrira le serveur directement. Il y aura des mods, donc j'en cite, il y aura Vanilla Plus qui rajoute des armures en Obsi, en Emerald et d'autres armures, mais qu'on enlèvera sur le serveur qui sont pas très utiles. Ça rajoute aussi des armures en or purifié, mais je vous laisse pas. Je ferai peut-être une autre vidéo, oui, deux vidéos sur le serveur, bon, c'est pas grave. Une autre vidéo vraiment de présentation, vraiment, on va présenter les mods aussi, pour vraiment vous expliquer. On aura le mode le backpack, donc en gros, c'est un sac, comme c'est un sac, en gros, vous faites clic droit, ça vous rajoute un autre inventaire si vous n'avez plus de place. Vous avez toutes les couleurs, vous avez aussi si vous avez aussi un backpack mais en Ender Chest, donc vous voyez ce que vous avez dans votre Ender Chest, vous avez un backpack de fabrication, un backpack furnace, vous avez pas mal de choses. On va rajouter des mods qui favorisent le PvP, surtout le PvP et le PvP faction. Donc je cite Armor Status Effect pour les potions, direction pour voir le nord, l'est, Rise Minimap ou une autre, enfin voilà, c'est juste pour voir. La map, bien évidemment Optifine pour optimiser, mais ça c'est juste personnel je crois, enfin, je sais pas. Optifine pour optimiser les FPS. Alors, on mettra des shaders à disposition, mais ouais, mais sur le Optifine, ouais, c'est un peu contradictoire, mais bon, c'est pas grave. On mettra des shaders quand même, on verra. On est en train de créer un texture pack aussi, donc je suis en train de créer un texture pack avec Panzer. Donc ça sera, donc, il y aura une vidéo spéciale pour le serveur. Enfin oui, pour le launcher et le serveur, et une autre vidéo spéciale texture pack. D'ailleurs je pense que je ferai une vidéo tuto comment mettre un texture pack,
Et une autre vidéo tuto pour mettre une map. Je lancerai une petite playlist qui, je pense, sortira le samedi. On verra. On ira caler ça tranquillement. Bon, en tout cas, pour cette semaine, vous avez compris, lundi, mardi, jeudi, vendredi. Oui, bon, mercredi, jeudi, c'est le brevet. Mais lundi, mardi, vous me direz, tu peux tourner la vidéo? Non, parce que c'est comme s'il y avait brevet, en fait. Je révise à mort, quoi. J'ai déjà révisé ce week-end. Ça a déjà été dur de sortir cet épisode. Donc, vous voyez que je le sors à midi, juste après manger. Tout simplement parce que voilà, c'est la dèche. Après, il faut vite que j'aille faire mes devs. Voilà. Mais sinon, vous inquiétez pas, vous aurez une vidéo exprès pour le serveur, une autre vidéo exprès pour le texture pack, et après, en même temps, donc des tutos. Donc, sinon, moi j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous serez pas trop déçus de cela. Après, si vous demandez pourquoi Julien n'est pas là, tout simplement, il a un empêchement. Donc, j'avais vraiment envie de tourner cette vidéo pour vous le communiquer. Parce que 4 jours sans vidéo, c'est vraiment beaucoup. Donc, il faut le dire, quoi. Donc, vous inquiétez pas. Je le dirai à chaque fois s'il y aura des problèmes comme ça. Donc, je tiens encore à remercier le 23e abonné. Et les 23 abonnés, vous êtes vraiment génial, les gens. On va faire plus de vidéos. Ça nous encourage encore plus. Et donc, je tiens encore à m'excuser pour l'actualité 1 de la chaîne, donc, qui est sortie vendredi. Donc, je tâcherai à les sortir tous les dimanches si je n'ai pas encore l'empêchement. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. Ciao, ciao tout le monde.